Il y a un côté papal, un côté biblique. Ce moment-là, je l'ai vécu et il n'y a personne qui pourra me l'enlever, tu vois. Il y avait l'idée de vouloir être là, pouvoir dire après coup, j'y étais. On le vit comme quelque chose que tu retrouveras jamais dans ta vie, ça se trouve. L'information est tombée aujourd'hui à 17h21. Thibaut Pinot va prendre sa retraite en fin de saison. Le Franc-Comtois l'annonce dans un entretien à lire dans le journal L'Équipe de demain. Thibaut Pinot, ça fait 14 ans qu'il est chez la Groupama FDJ. C'est vraiment la famille, hein. Donc la retraite de Thibaut Pinot, c'est quelque chose de marquant. Pour marquer le coup, on a besoin aussi de gens qui vont nous aider à marquer le coup. Qui mieux que la FFL pour ça, ils ont une histoire avec Thibaut Pinot aussi. On partage vraiment les mêmes valeurs de sport, d'amour, de l'émotion, etc. Ça a été un bon client quand même pendant quelques années à la FFL. On sait qu'il jouait le jeu aussi, il aimait bien rire de ses déboires. Ça nous donne encore plus envie de l'honorer parce que bah, nous, c'est un peu notre combat, tu vois. On a envie que les gens dédramatisent aussi du sport. On aime bien les grands vainqueurs dans le fond, mais on aime aussi les perdants magnifiques. Hein. Ce mec, il est dingue, quoi. Il est fou, il me fait rêver, il me donne des frissons, j'ai envie de le suivre. L'attaque encore de Thibaut Pinot, il vole aujourd'hui, Thibaut. Ceux qui connaissent le vélo connaissent le niveau de performance où il est allé. Et donc, il y a ce respect pour ça aussi. Moi, dès qu'il lève le cul de sa selle, ça me fait des trucs, j'arrive même pas à le décrire, quoi. Enfin, même s'il a jamais gagné de grand tour, ça a été quelqu'un qu'on a adoré suivre. C'est le mec dans ce sport et le mec qui m'a procuré des émotions les plus fortes, négativement et positivement. Ça commence en 2014, ce gamin qui arrive, qui se retrouve un peu par hasard d'ailleurs sur un podium du Tour de France. Il y a un abandon de Froome à l'époque, abandon d'Alberto Contador, il est là. C'est quand même des magnifiques victoires, c'est du panénage, c'est des victoires sur le Tour de France. L'Alpe d'Huez, parce qu'il faut marquer son nom, son temps. C'est une victoire sur le Tour de Lombardie, il faut le faire, devant les meilleurs. Traverser des Pyrénées, étape du Tourmalet en 2019. Et Thibaut Pinot qui s'envole vers la victoire d'étape. Allez Thibaut, allez. Allez mon grand. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. T'es très grand. Allez mon grand. Thibaut Pinot s'impose aujourd'hui. Troisième victoire d'étape sur le Tour de France. Ouais. Puis il y a ces drames qui nous identifient à lui, parce qu'on a tous des drames aussi, et que ça le rend plus proche de nous, quelque part. Thibaut Pinot pris dans la chute. Et on les a vécus en direct. Ces larmes, on les a vécues en direct. Moi, 2019, c'est inconsolable. Ce moment où il se prend avec William Bonnet, qui me dit « Bon, ça sert plus à rien, arrête-toi », on l'a tous vécu en direct. Je crois qu'avec Thibaut Pinot, c'est ça, quoi. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et dans le meilleur comme dans le pire, on traverse tout, quoi. Mais toujours avec panache. Je pense que ce qui a marqué le public, c'est l'expression. L'expression du visage, l'expression qu'il avait dans le geste cycliste. À travers Thibaut Pinot, que ce soit en jour de grâce ou en jour de difficulté, il y avait une expression sur le visage. S'il y a une forme de robotisation du coureur ou s'il n'y a pas d'expression du visage, il y a moins d'intérêt, on ne ressent pas les choses et les sentiments. Moi, c'est ce qui me touche, c'est le regard de Thibaut. Thibaut, il a quelque chose dans le regard, il est un petit peu ailleurs. Il y a un côté Pierrot de la Lune, il y a un côté Petit Prince. Il est, au fond de lui, l'enfant qu'on a envie de rester. Moi, je me rappelle de moments où il prend des bambous de l'espace, où il avance plus sur le vélo, et en fait, on se dit juste, bah, le gars est humain. Je trouve qu'on se retrouve tous dans ces cyclistes-là qui travaillent très dur, qui vivent des moments très difficiles. À travers les sportifs, à travers les champions, il y a un mécanisme d'identification qui se noue, qui se construit. Et le fait d'exposer ses doutes, ses faiblesses, alors même que toute la construction du sportif, c'est une sorte de mythologie de l'individu infaillible qui va au-delà de l'adversité, bah en fait, le public, il est aussi en attente d'autre chose et de cet aspect profondément humain. Là, je peux plus, là, ça fait 15 jours que j'enlève le frein, j'ai été malade, Là, j'ai des jambes, j'ai dit, avec Bruno, j'ai dit, let's go, on y va, et on fera le point là-haut. Je perds le général, c'est pas grave, 8e, 7e, je m'en fous. Moi, je voulais l'étape, et au final, dans l'oreillette, voilà, j'ai dit, bah, j'en fais qu'à ma tête, laissez-moi tranquille, je vais... Peut-être c'est n'importe quoi, mais j'ai envie de profiter, quoi. Le grand public, au sens large, a compris qu'il perdait un des derniers dinosaures d'une forme de cyclisme assez romantique.
Il venait de dire en gros que c'était sa dernière année et on s'est dit tiens, il faut marquer le coup quoi. On avait envie de faire le truc le plus fort possible et quelque chose qui soit rassembleur et qui soit aussi quelque chose de fort pour Pinot, qui soit quelque chose qui lui parle à lui aussi. On sait que Thibaut, il est abonné au parc et qu'en plus, il est abonné mais au virage Auteuil. Donc on se dit, franchement, ça peut lui plaire. Les virages dans le foot, c'est là où se réunissent les supporters, ceux qui sont vraiment les fans absolus des clubs. Et pourquoi pas faire ça aussi pour Pinot. On se dit, s'il fait le tour, il faut forcément qu'on aille le faire sur le Tour. Le Tour de France, c'est le Tour de France. C'est là où se gravent les légendes. C'est là où il a aussi connu ses plus grandes joies et ses plus grandes tristesses, certainement. Coup de bol, bah, il y a le Markstein. La veille de l'arrivée sur les champs, d'une étape qui passe à 50-60 bornes de chez Thibaut. Donc là, pour nous, c'était l'occasion rêvée. On s'est dit, il y a quelque chose à faire là-bas. Il faut marquer le coup là-bas sur ses terres. Il va falloir quand même répondre à des Français qui sont dans l'attente. L'espoir fou de voir Thibaut Pinot une dernière fois. L'idée, c'est qu'on soit la meilleure équipe possible, mais ça ne sera pas les réseaux sociaux qui vont décider pour moi de la composition de l'équipe Groupama FDJ. Mais in fine, c'est moi qui déciderai, puisque in fine, c'est moi qui serai responsable. La première crainte, en fait, c'est qu'il ne fasse pas le Tour de France. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. Au moment où on commence à acter le fait qu'on va le faire, on ne sait pas. Ce n'est pas encore sûr et certain. La sélection, elle n'est pas définie. Donc là, on demande en interne, nos collègues de l'équipe cycliste. On sait que ce n'est pas officiel, mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il va faire le tour ou pas? Parce que nous, il faut qu'on s'organise. Louer un bus, faire des t-shirts, des écharpes. Parce que les supporters de foot, ils ont des écharpes, des t-shirts. Donc si on veut faire tout ça, ça prend du temps. Et ils n'ont pas l'info. Donc on lance quand même toute la préparation. Notre boulot, entre guillemets, avec Antoine et en tant que FFL, bah, c'était de porter l'événement sur les réseaux sociaux et de faire appel à tous ceux qui aiment le vélo, même dans ceux qui ne nous suivent pas, pour ameuter un max de monde. On a commencé à en parler à Sirius Charlie, qui fait beaucoup de choses dans l'univers du vélo. Et puis évidemment, le collectif Ultra Pinot, parce que c'est vraiment le mouvement de supporters ultime. On avait lancé du coup un concours pour recruter un peu les gagnants et sur CV, quoi. Nous, on est vraiment qualitatifs, tu vois. En gros, les gens nous disent « Pourquoi est-ce que je dois être dans ce bus ?» Et là, on voit quand même l'engouement dans les gens qui répondent, dans les gens qui disent « Ok, j'ai posé des jours de congé pour venir. » On prend les meilleurs, quoi. On prend le gratin du gratin. Un bus pour aller au virage Pinot, ça se mérite. Évidemment, on avançait un peu dans l'ombre, avec l'espoir quand même que ça puisse le faire pour Thibaut. Après le Giro, ça semble évident qu'il va aller sur le Tour de France. Et puis, il a un poids quand même dans cette équipe. Il est, quelque part, sur les 10 dernières années, la tête de gondole des hommes de Marc Madiot. On arrive avec un vécu, avec une construction, avec une cohésion, pour aller très haut, très fort et très loin. À partir du moment où il a annoncé, on se dit, bon bah, ok, on y va, c'est bon, on y va, quoi. Et on va lui faire sa fête. Il nous a fait vibrer, maintenant c'est à lui de déguster ce qu'on veut lui rendre. La Groupama FDJ et Thibaut lui-même, en l'occurrence, mettent le hockey sur l'opération. On s'est mis en mode action. Là, on a dû tout faire en 3-4 semaines, quoi. J'ai reçu un mail un soir, on me demandait juste mon accord. Et moi, à l'époque, je rigolais, je dis oui, bah, s'ils veulent, il n'y a pas de souci, ça va être une buvette, ils vont vendre 2-3 coca et puis des bouteilles d'eau, puis c'est fini. Je pense qu'il y aura. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Quand on voit que ça commence à susciter énormément d'enthousiasme, que beaucoup de médias commencent à s'intéresser à ça, à nous demander ça se passe où exactement, est-ce qu'on pourrait venir. Là, on se dit, OK, on a peut-être fait un truc qui s'emballe un peu. On sent cette passion avec, sur les réseaux sociaux, des fans qui sont là, des tribus Pinot qui sont en train de se créer. Et on commence à les inviter, nous aussi, parce qu'on se prend au jeu. Le programme pour demain, exactement, c'est quoi? Départ, quelle heure? On part de Paris cette nuit à minuit avec le bus. Et on arrive sur place demain matin assez tôt. Les gens qui veulent venir se greffer à nous, ils viennent se greffer. On est là toute la journée sur le bus. Ça a l'air lourd. Hein. Ça a l'air lourd et ça l'est. Ouais. À 23h, les premiers invités supporters arrivent devant le siège de l'FDJ. Je me dis que ça sent bon et que c'est bien parti parce qu'on a un bon groupe. Vous me centrez sur le bel été, s'il vous plaît. Le déguisement, c'est primordial. Celui qui ne sait pas se déguiser, il n'a pas sa place dans les Vosges au col du Petit Valois. Elle m'a converti au monde ultra. Je découvre le monde ultra dans le vélo. Donc. Le casting est prometteur et de qualité. Allez, 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 Thibaut!
Voici un membre émérite. On va rentrer dans le bus, donc on a nos amis de la Fashion Week qui vont aller au fond dès le début avec leur enceinte pour casser les couilles à tout le monde dans le bus. Nous, dans le car, on a notre tambour, on a nos mégaphones, on a nos 200 écharpes, nos 200 t-shirts, nos 200 bobs. Et on se dit, bon, ça suffira, on avait fait faire un peu plus au cas où. C'est un peu des comment dire, des référents. Donc si vous avez des questions, on est tous en contact, vous venez nous voir et on réglera les problèmes. Vous en doutez, tout ce qui est fumigène, etc., etc., on évite, on pousse pas les gens. Non, on pousse pas les gens, même les Néerlandais. La seule certitude, c'est que j'ai 50 personnes qui sont là. Ils sont déjà une vingtaine à camper parce qu'on voit des premières vidéos qui arrivent sur Twitter de types qui sont là-bas en train de camper, notamment Arthur Vichot et Louis de la FFL. Bon, ça y est, J-1, on est dans le col du Petit Ballon, au virage Pinot, en train de débarquer tout le matos pour le barbecue de ce soir. Je suis avec Mathieu qui fait partie du cup. Hey Thibaut! Et ben voilà, voilà comment on commence une bonne soirée FFL. Bon, ben là, c'est le moment où on va dresser la tente et regarder un peu la vue qu'on a là pour dormir. Ça va être phénoménal. Et puis bon, de toute façon, si on s'ennuie, juste derrière, il y a le stand des Ultra Pinot avec Vichot, donc on va passer une bonne soirée, je pense. On a répété quelques chants aussi avec les capots qui étaient déjà bien bien chauds, mais sinon c'était un barbecue entre fans de vélo et de sport. Ça parlait de foot, ça parlait de NBA, ça parlait de cyclisme, ça parlait de tout, quoi. Hey, les gars, les couplets, ils sont un peu compliqués, surtout le premier, parce qu'il faut connaître la carrière de Thibaut. Mais le refrain et le deuxième couplet, on veut la folie. On retrie dans le ciel. Terreur du Trasalpi jusqu'à la Lombardie. J'ai une nuit compliquée aussi parce que j'avais quand même la boule au ventre. Je crois que j'ai reçu des vidéos d'Arthur encore jusqu'à 1h du matin, je crois. Donc j'avais du mal à trouver le sommeil. J'étais avec Quentin dans la chambre, mais c'est plutôt nous qui lui demandait des vidéos parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Ouais. Thibaut Pinot. On part en bus, on se dit que on va pas beaucoup dormir. Parce que c'est pas parce que c'est minuit qu'on a envie de s'endormir. Alors tout le monde est chaud comme Arnaud. Il a fait de la moto, il a fait de la moto. De la moto, il a fait. Ça va être long. Il serait très bon. De la moto, il a fait. Bonjour messieurs, dames, bienvenue aujourd'hui en Alsace pour cette 20e étape du Tour de France avec, j'espère, un grand Thibaut. J'espère que vous êtes prêts parce que là, quand on va sortir, il va falloir qu'il sache qu'on est là. Je m'étais même pas encore brossé les dents qu'ils arrivaient déjà avec les mégaphones, les trucs. Je me suis dit, ok, eux ils ont pas beaucoup dormi, mais ils ont l'air bien chauds aussi. Et en fait, on va tout prendre et tout amener à l'auberge au fond là-bas. Tout ce qui est carton de t-shirt, pancarte, etc. Et on fera la distribution pour ceux qui n'en ont pas eu. Moi, j'ai plus aucune notion de l'heure. Il fait grand soleil, on est à la montagne. 8 heures avant, on était sur le périph. Chocolat chaud, il arrive. On arrive chez Mireille à l'auberge de Buchwald. On est accueillis comme des rois. Je veux dire, on arrive petit-déj, café Münster. Ouais, le combo il est là, je suis requinqué et on est parti pour la journée, quoi. Quand on est arrivé, on s'est dit merde, il y a déjà des camping-cars de Hollandais partout. En vrai, il y avait une petite guerre d'ego, tu vois, on était là, ok, on va leur montrer qui on est. Au final, non, c'était cool, on les a même entraînés dans les chalalas avec nous. On commence à s'installer, donc à faire des pochoirs sur la route. On s'occupe de la route parce qu'on a vite conscience qu'elle sera vite occupée par des oiseaux. Une fois qu'on a peint, on commence à donner le mégaphone au collectif Ultra Pinot. Il doit être 10h et ça allait jusqu'à 18h. Quoi. Il n'a pas lâché le truc. C'est un fameux coureur, un très grand.
voit que tout se passe bien, que les gens sont bons délire. On a Liam et ses potes, les turbulents, qui font des animations tout au bord de la route en faisant manger du foie gras et du saucisson à des gens. Enfin, c'est assez lunaire. Le toutou gagné ou le toutou perdu, hein. T'as une roue, tu vas tirer, et il y a une flèche, ça va tomber sur quelque chose. On encourage Gilbert, s'il vous plaît. Il y a tous les cyclistes du dimanche qui passent, qui se font encourager pour qui on chante. La police passe, ça chante Allez les Bleus, les pompiers passent, ça chante Allez les Rouges. Enfin, on comprend que c'est bon délire. Il y a du monde, mais pas encore trop. Je me dis, ah là, l'ambiance, c'est exactement ce que je voulais, tu vois. Vraiment, là, à ce moment-là, pour moi, c'est limite le meilleur moment parce qu'il n'y a pas de stress, il n'y a que de l'amusement. Et je parle un peu aux gens, il y a plein de gens qui me disent, ouais, c'est la première fois que je viens sur le tour, c'est génial. Alors j'ai envie de te dire, c'est pas comme ça tous les jours non plus, tu vois, mais tant mieux, mec, t'as la meilleure première ambiance possible. Il faut se faire un cortège, là. Un cortège, ah ouais. On va sur le col. Et alors ? Et alors ? On monte tranquillement en suivant les champs. Et derrière, on s'est fait une montée jusqu'au sommet. Et là, j'ai compris qu'on assistait à quelque chose de quand même costaud, parce qu'il n'était pas midi, et déjà, dans cette espèce de cortège, on était déjà au moins 200. Je me suis dit, attends, je vois encore mon collègue cofondateur Rémi, qui sur Eurosport nous dit on sera 100, 150, parce qu'il a peur. Bah, lui, il n'est pas marseillais, pour le coup. Parce qu'il a peur de machin. Et là, on est dans le cortège, il est 11h30, on est déjà plus que ce qu'il prévoit la veille à la télé. C'est quoi des fumigènes, venez devant. On les fait maintenant, parce qu'après, une fois qu'il y a la caravane, une fois qu'il y a les coureurs, pas de fumigènes, pas de fumigènes. Qui ne saute pas, les le matin, Thibaut, ouais, il est très détendu. Il répond aux interviews, alors qu'il y a des matins où il ne veut pas, absolument pas s'arrêter pour faire des interviews. Ce matin, là, il est content, il est chez lui, il s'attend à une grande journée, il espère une grande journée. C'est un vrai objectif, c'est peut-être l'objectif de ce tour pour vous. Oui, c'est sûr, c'est l'objectif. Après, malheureusement, j'ai beau connaître par cœur, j'ai beau avoir les meilleurs encouragements du monde. Ce qui comptera, ça sera les jambes. Mais en tout cas, on va tout donner aujourd'hui, c'est ma dernière étape, donc voilà, on va tout donner. Dans le petit ballon, ça va être comment? J'espère que ça va être chaud et voilà, j'espère que la fête sera belle et que la fête soit belle tout simplement. C'est quand même depuis hier soir, je sens quand même l'émotion monter, donc j'espère qu'elle va me pousser dans le bon sens. Marc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde autour du bus de la Groupama FDJ. C'est une journée spéciale. Ouais, c'est une journée spéciale. C'est spécial. Pourquoi c'est spécial pour vous personnellement? Ah, c'est une longue histoire, hein. Ça va vous manquer. Forcément. Bonjour, toi t'es un fan de Thibaut. Marc, il sait très bien que c'est une journée spéciale. Hein. Que ce soit pour moi et pour l'équipe, il le sait, et tout le monde le sait. Mais les DS, au départ, quand ils font leur tactique, ils peuvent pas parler de ça. C'est un fait de course, mais eux, ils font leur job aussi, c'est de faire la course et faire abstraction de tout ce qui se passe autour. La stratégie, elle est simple. Hein. Au départ, c'est de mettre le plus de monde dans l'échappée. Donc, que ce soit moi, David, Valentin, et puis d'aller jouer l'étape, parce que c'est impossible de gagner face à Pogacar ou Vingegaard, on sait quand la pédale, on a perdu. Moi, le seul truc que je voulais, c'est au moins, même si j'étais pas dans l'échappée, au moins avoir des bonnes sensations et me faire plaisir sur ma dernière étape de montagne sur le Tour de France. Le briefing, c'était clairement anticipé et Thibaut, il avait une part importante dans le briefing, mais c'était pas la seule carte, c'était fais-toi plaisir, t'es électron libre, si tu veux être devant, t'es devant, si tu veux être derrière, t'es derrière, on te jugera pas et tu feras ce que tu veux. Et ensuite, c'était à nous de l'accompagner s'il était devant, parce qu'on avait forcément l'envie de le faire. Et s'il était derrière, ben, on faisait notre course pour essayer de faire la meilleure performance possible sur le Tour de France. Est-ce que vous êtes prêts devant ? Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti ! En
termes de scénario, les 20e étapes, c'est ultra court. Il y a effectivement la volonté de beaucoup de coureurs d'être dans le groupe d'échappée pour peut-être remporter l'étape. C'est évidemment le cas de Thibaut Pinot, mais il y a aussi la grande bagarre pour le maillot jaune, pour le podium. Il y a tous ceux qui n'ont pas gagné, qui veulent gagner. C'est la dernière fois. Le lendemain, c'est les Champs-Élysées, c'est pour les sprinteurs, c'est terminé. Et encore des enjeux. Vingegaard a sommé le tour, Pogacar a envie de jouer. Vingegaard va suivre, donc les deux vont accélérer, ça va rentrer derrière. Il y a Chicone qui veut le maillot à poids. Donc il y a plein encore de gens en fait qui veulent exister. Et Thibaut, il doit exister aujourd'hui. Lui, il a encore plus de raisons d'exister parce qu'il est attendu. Il y a le lieu, effectivement. On est chez Thibaut, on est en Thibautland. Le profil est pour lui, les routes. Il n'a pas besoin de compteur, il n'a besoin de rien du tout, il sait. Donc on s'attend à quelque chose, on sait qu'il y a ce fameux virage, on sait que les supporters sont là depuis la veille, donc on sait qu'il va se passer quelque chose. Et je pense que Thibaut, quoi qu'il arrive, au-delà du virage Pinot, le matin, il veut gagner l'étape. Attention pour le départ réel, attention. Départ réel donné à 13h44. Oh, Kampenaerts. C'est Kampenaerts qui fait le départ, je crois. Juste pour revenir, donc il y a l'air d'avoir un Bahrein qui est parti solo. Alors, ça relance derrière, il y a Kampenaerts encore. Ça, c'est Kampenaerts. Quand il y a un fan de Thibaut, tu cries, ok ? Arrive midi, on commence à avoir faim quand même, donc on va manger. Un repas gargantuesque qui nous a été servi à l'auberge par Mireille. En base de fromage fondu, de lardons, de pommes de terre, alors qu'il faisait 35 degrés. Heureusement, on avait beaucoup d'eau pour le faire glisser tout ça. Donc il est midi 30, 13h, il y a une partie des gens qui s'attardent à table pour regarder un peu l'étape parce que c'est pas encore le moment d'aller faire la fiesta. On fait le repas, donc on est bien, puis on retourne sur le virage et là le monde a, sans déconner, triplé. Tous les gens du col, qui étaient déjà installés, se sont dit « Attends, il se passe un truc en bas, là !» Parce qu'ils sont allés faire la procession tout en haut. Et je pense que c'est ça qui a créé le mouvement de foule, qui fait que tous les gens sont descendus pour s'aligner là, derrière le virage. Et là, c'est le moment où il y a une petite panique de se dire « Ça va pas passer. Il y a trop de gens, c'est trop le bordel. » Là, on s'est dit « Ah, ok. On a peut-être un peu sous-estimé le truc, là. » Là, on a commencé à suer un petit peu. D'un côté, je suis super content et de l'autre côté, je prends une bouffée de pression. On me dit, ok, genre, c'est sérieux, quoi. Il va falloir potentiellement gérer ça, tu vois. On a évidemment énormément de respect pour les coureurs et pour l'organisation de la course. On vient pas pour tout casser, on vient pour encourager un coureur et pour créer un moment magique autour d'un coureur, mais certainement pas pour que ça se passe mal. C'est la sécurité pour les coureurs, mais c'est aussi la sécurité pour les gens au bord de la route. Il y a je sais pas combien de bagnoles qui passent sur cette route avant, avec la caravane, les chars et compagnie. Un mec qui peut finir sous une bagnole, il peut se faire écraser un pied, on fait ultra gaffe et on martèle la sécurité. En plus, il y a eu des exemples juste avant sur le tour de coureurs un peu bousculés ou qui tombent à cause des supporters. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah, il y a juste devant Jonas Vingegaard, regardez, avec trois coureurs de la Jumbo. Nous, on a envie que c'est une ambiance de fête. Par contre, nous, il nous faut de la sécurité, quoi. Nous, vraiment, en tant que FFL, on fait pas souvent des events physiques, des trucs un peu d'envergure comme ça. Et donc, si le premier qu'on faisait se passait mal, nous, on était pliés, tu vois, on était finis. Genre, vraiment, bye bye FFL, c'est ciao, tu vois. Donc, Il y avait cet enjeu-là qui était hyper important pour nous, qui était de faire en sorte de montrer qu'on peut importer la ferveur d'autres sports qui en ont peut-être un peu plus de manière générale, dans le vélo, sur le Tour de France, et que ça se passe bien. Après, il y avait de l'inédit parce que c'est un contexte autre. Une course cycliste, on est dans un milieu ouvert, c'est pas un stade, avec potentiellement, effectivement, un afflux de gens incontrôlé. On peut rétrospectivement comprendre peut-être la petite perle de sueur face à quelque chose qu'ils ont initié et dont ils pourraient être, si les choses se passaient mal, tenus pour responsables. Ah,
mec, la pancarte, la pancarte. Plante le panneau avec la règle pour quand même que les gens comprennent qu'ici, ils font pas n'importe quoi. C'est là où, avec Pierre, on a donné de notre personne parce que la présence policière était assez faible. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu non plus. Pour que les gens aillent derrière le cordon, pour qu'on se dise « faut pas que ça se passe mal ». Et moi, je me rappelle, on était avec Pierre en train d'hurler dans le mégaphone en disant « s'il vous plaît, restez bien derrière, faites bien passer la caravane pour pas qu'ils viennent arrêter le truc, quoi ». Je suis allé faire du one-to-one sur chaque personne, sur 500 mètres dans ce virage. Là, il faut que tu nous aides aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Vraiment, je le regardais dans les yeux, je dis « j'ai besoin de toi, il faut que ça se passe bien. Il y a toute la famille de Pino, il y a tous ses fans, il y a tous ses amis. Donc, s'il te plaît, prends cette cordelette jaune et ne la lâche pas. » Parce que, ouais, on avait trop peur. Enfin, moi, j'avais trop peur qu'il y ait des débordements. À ce moment-là, arrive 4 policiers supplémentaires, mais c'est un peu chaotique quand même parce que les gens sont chauds, quoi. On est tous responsables, on sait qu'il ne faut pas gêner la course. On est là aussi pour s'amuser, mais que la course ait bien lieu et qu'elle ne soit pas faussée. Merci d'être là. Faites un maximum de bruit quand Thibaut va passer. On va marquer l'histoire aujourd'hui. Thibaut. Thibaut. Déjà, la première échappée est partie sur une chute d'un descente du ballon d'Alsace. Rodriguez a chuté à droite. Cette chute-là, elle a coupé le peloton et il y avait peut-être 20 mecs devant. Déjà, je me dis, merde, la journée, ça sent pas bon. Je sentais que la course n'était pas spécialement posée. Il y avait des équipes qui n'étaient pas représentées, qui roulaient aussi derrière. Donc je me dis, avec un peu de chance, ça peut peut-être être ressortir dans la Croix des Manas, dans le col que je connais très bien, que je fais très souvent. Les Groupama sont en train de construire leur échiquier. Kung, Madouas, Pinot, chaud dans le peloton. Et au final, oui, ça ressort là et j'arrive à sortir tout seul. Ça y est, attaque de Pinot. Lidl est de sortie. 76 km pour faire frémir. Je retombe dans la descente sur Stéphane qui est entre le peloton et l'échappée. Et moi, je rentrais sur lui au sommet. Donc forcément, lui, il a fait la descente à fond et il m'a ramené dans l'échappée. Et Thibaut, maintenant, regardez, ouais, on y connaît. Va à 3 avec Stéphane Kung. Stratégie d'équipe autour de Lidl aujourd'hui. C'est parti! Faut batailler pendant 20, 30, 40, 50, 60 km pour être dans ce groupe, ce gros groupe de tête. Ça passe. Une ascension. Deux. Il faut faire quelque chose. Et Stéphane Kuhn qui est au sprint hein, pour rester avec Thibaut, pour rester avec Valentin Madouas. Valentin Madouas qui va faire ce que Thibaut lui demande, prendre son relais. Cette opération Thibaut Pinot aujourd'hui. De toute façon, dans le genre d'étape, il faut avoir un brin de réussite et puis d'avoir un peu de chance, avoir des bonnes circonstances de course. Je me dis, ça c'est. C'est des circonstances que j'ai connues quand j'ai gagné des belles étapes, donc je me dis ça peut le faire, ouais. On est déjà sur le virage au moment où l'étape part, et il se trouve qu'on n'a pas de réseau, donc il n'y a pas d'info. Donc l'arrivée de l'info, elle est très tardive. Ah ouais, est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe sérieusement? Donc il y en a qui ramènent un peu l'info de il y a un groupe d'échappés, Pinot est dedans, mais on sait pas trop. À ce moment-là, on est dans le flou, quoi. On sait pas. Et avec Charlie, donc, on se positionne, entrée du virage, et coup de bol, à côté de nous, il y a une caravane de Hollandais ou d'Allemands qui a une parabole. Et ils ont la télé par satellite. Donc on regarde discrètement. Donc en plus, les updates se faisaient au mégaphone, par les capots, et du coup, t'avais la masse de personnes derrière qui... J'ai des infos sur la course. C'était il y a 5 minutes. Les coureurs, ils sont à la Bresse, au col de Grosse-Pierre, donc il reste le col de Grosse-Pierre et le col de la Schlourte. Pour le moment, il y a un groupe avec une minute d'avance sur le peloton. Dans ce groupe, il y a Warren Barguil, Giulio Ciccone, Chris Dylans, Tom Pitcock, Mathias Kelbos, Van Gils, Valentin Madouas. Et Thibaut Pinot. Nice avec 50 secondes d'avance. 50 secondes d'avance pour le groupe de 10 sur le peloton maillot jaune. Tout de suite, tu fais l'état des lieux des troupes. Tu vois qui est là, qui est pas là. Les équipes représentées, pas représentées. Et là, tu vois pas de jumbo dit du AE. Tu vois une minute sur le peloton derrière. Ils laissent pas partir, ils veulent jouer l'étape.
Donc là, tu te dis, c'est plus entre mes mains, au final, c'est Peuton qui décidera si on doit gagner ou pas. Et après, j'ai compris que c'est au pied du petit ballon. J'avais 1 minute 15 ou 1 minute 30, je crois, max. Bah, je me dis, si tu dois gagner, bah, de toute façon, il faut que tu partes maintenant. Thibaut, il est pas fou. Depuis une semaine, il nous parle que ça. Vous pouvez être fiers de vous, les gars. Applaudissez-vous, c'est génial. Un des plus beaux moments de sa carrière, là, je pense. Un des plus beaux moments. C'est bien, la caravane arrive! La caravane arrive! La caravane sentiments, tout ça, mais je pense qu'il va être bien ému à la fin de cette étape. Ouais. C'est beau qu'ils aient réussi à faire tout ça. On a bien bossé, Marco, on a bien bossé, hein. On est là, hein. Vous êtes grands. Merci, merci, Marc. La tête de course est au pied du petit ballon, montée de 9 km 300 à 8,1% de moyenne, classée en première catégorie. On arrive au pied du petit ballon avec une 30 d'avance, une 15. Et tout de suite, je dis à Valentin, il faut accélérer vite parce que derrière, il ne faut pas nous faire de cadeaux, il ne faut pas qu'on perde trop de temps dans le petit ballon parce que ça va aller très vite derrière. C'est Valentin qui fait des gros relais. J'entame le petit ballon en tête et j'essaie d'amener un bon tempo pour ne pas s'endormir dans le début de l'ascension. Puis après, je vois Thibaut qui était très fort et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques coureurs de l'échappée qui lâchent dès le début. Donc on se dit, oh la vache, bah on va peut-être tenter un truc. Donc Valentin, il durcit, et on se retrouve à. On en perd un tous les 500 mètres, peut-être. Valentin Bradoaz, maillot tricolore sur la poitrine. Il va se mettre, comme d'habitude, à la planche, le cœur en feu pour lui qui va partir, pour Thibaut. Dès qu'on a su que Pinot était dans l'échappée, là, on a commencé à se dire « Ah, putain, il est venu pour nous faire plaisir, quoi. » Et il y a Thibaut. Je me souviens de ce moment. Et il y a Thibaut. Et t'as tout le monde qui éclate. Et les dernières infos, on a où il est 4. Vraiment, moi, les dernières infos que j'ai, c'est ils sont 4 dans la montée. Et on se dit « Ah, il va être parmi les 4, c'est génial, toi. » Et ça, c'est la dernière info qu'on a. Et donc après, ben, les 10-15 dernières minutes, c'est les minutes... où t'as les frissons parce que à chaque moto qui passe, à chaque voiture qui arrive au loin, tu dis oh, c'est, ça se trouve c'est la voiture de course, et ils sont juste derrière. Donc ça c'est vraiment le meilleur moment dans le Tour de France, c'est quand tu commences à entendre l'hélico au loin, quand t'as, voilà, tu sens l'ouragan de la course qui commence à se rapprocher là, tu vois, t'as ton sixième sens qui se dit putain là il va se passer un truc. Ça bat à 200 et y a cette situation où en fait on sait pas où ils sont. Tout simplement. Donc on sait pas si c'est dans 5 minutes ou dans 3 quarts d'heure. L'info, elle passe pas. Donc on est tous là à se regarder en disant c'est maintenant, c'est un peu comme les gamins à Noël, quoi. C'est quand est-ce qu'il passe le Père Noël ? Et on sait pas. Tu vois la montre qui défile, tu sais que bah, les projections, ça disait vers 16h30, etc. Tu vois qu'il est 16h, donc forcément, tu sais que ça arrive, tu le sens aussi parce que les gens sont de plus en plus surex. Et derrière, ça commence à bouger aussi. Pogacar qui sort, Vingegaard, Félix Gall. Voilà, ça bouge derrière. Et les chances se rapprochent, et on est encore plus près. Il a les écarts, évidemment, dans son oreillette. Je ne sais pas si les directeurs sportifs mentent, s'ils lui disent la vérité ou pas, pour lui donner du panache. Et il faut absolument partir. Plus que 25 coureurs dans ce petit ballon. Une et attaque 10, de Thibaut. Et attaque de Thibaut. Allez. Oh là 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 là.
Avec Valentin Madouas qui peut y aller. Le connaissant, il va mettre une grosse attaque et ensuite il va se poser à son rythme. Et je vois que bah, lui il part, et du coup en fait je m'accroche, je me dis bon, c'est quand qu'il ralentit pour que je puisse l'aider, mais en fait il a jamais ralenti. Je pense que Valentin, lui, ce qu'il voulait, c'est de vivre d'être avec moi à ce moment-là, mais moi je peux pas l'attendre. Il lui manque pas grand-chose, mais je peux pas attendre parce qu'on a le peloton qui est vraiment juste derrière nous. Et je pense à devant aussi, devant il y a du virage Pinot qui m'attend. Et je me dis, bah j'ai des bonnes jambes, la cerise sur le gâteau, c'est d'arriver tout seul, toi. Je me suis mis un peu dans le rouge, j'ai essayé de le suivre, et après j'ai dit, oulala, ça sert à rien d'être entre les deux groupes, autant que je me relève et que je reste avec le groupe derrière. On est à 5 km du sommet, il y aura une grande descente, le Platzer Wasel. Il est en train de partir tout seul, Thibaut Pinot. Mais est-ce qu'il a envie d'entamer le Platzer en tête? Je crois qu'il a envie de passer au virage tout seul. Et ça, il est parti. Et ce, les seuls devant, il reste 25 bornes. Et on arrive dans ce virage. Quand il arrive, les trois quarts des gens savent pas qu'il est là. Les trois quarts des gens savent pas que c'est Pinot en tête, quoi. Tu vois la folie arriver, tu sais, t'as le bruit qui arrive, qui monte en décibels, tu vois, ça me refoue un peu la gorge nouée. Parce qu'on n'est pas au courant, enfin vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on n'est pas au courant et il surgit comme ça. Alors tu te dis, y a le bruit, mais ça t'indique pas qu'il est solo, quoi. Et là, je le vois fendre la foule, tout seul, dans son virage. Les frissons, les larmes aux yeux, pour Thibaut Pinot, peut-être sous les lunettes, mais pour Steve Chenel, c'est sûr. Voici le virage, Thibaut Pinot en tête. 2 kilometers to go, look at this. How many people are on this mountain? The atmosphere is absolutely electric. Listen to this. Oh! Oh, les amis! Everybody has come to this point for Thibaut Pinot and he has delivered. J'étais vraiment motivé, ça faisait quelques jours que j'avais que ça en tête. J'ai pris du plaisir, surtout que je suis à la maison. Et c'est fou d'être là. Il ne gagnera jamais le Tour de France, mais ça, il l'a gagné. C'est fou d'être ici, alors que c'est mes routes d'entraînement. C'est ici que j'ai toujours... Comment ne pas être porté? Et on en oublie l'écart. Mais regardez, ça monte encore. Une 25 sur le groupe maillot jaune. Et 15 secondes sur Pitcock qui est à fond derrière. C'est vraiment, tu vois, il y a ce côté, genre... C'est fou là ce qui vient de se passer. Donc vraiment, tu sais, c'est ce côté, tu cherches le regard et puis tout le monde a le même regard. Et à ce moment-là, ouais, il y a une espèce d'incompréhension de se dire, bah attends, comment c'est possible? Il l'a pas fait quand même. Si, il l'a fait. T'as une seconde dans ton cerveau pour comprendre que c'est Thibaut Pinot, le mec en bleu, la bouche ouverte, en train d'appuyer fort sur les pédales. Et là, à peine il est déjà parti, tu regardes la route et tu te dis, putain, mais c'était lui, genre, il est vraiment en train de le faire, quoi. Il est vraiment en train de nous offrir le spectacle rêvé qui était écrit dans l'alignement des planètes. Il y a un côté où on est presque incrédule, tu vois. On se dit, mais non, mais c'est pas possible, genre. Et là, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de cohue. Enfin, c'est Taylor Swift à ce moment-là. Hein. C'est le pape. Quand il passe, c'est le pape. Les gens le regardent, le touchent. Je sais pas si tu te souviens de Maradona et de Naples et son église. Eh ben, elle est là, l'église de Thibaut. Elle est dans ce virage, quoi. J'ai vu un mec torse nu sur un banc en train de faire ça en regardant le ciel. Et c'est mystique. Il y avait une telle clameur derrière. Ça a été une folie, une folie. Vraiment, les gens ont hurlé, mais genre tous en même temps. Et là, t'as tout le truc qui fait fou. Ça te fout les frissons déjà juste du bruit que t'as derrière toi. Et puis en plus devant toi, tu vois Pinot qui passe comme ça. Ce truc qui m'est passé des orteils jusqu'au cerveau, jamais ressenti ça. On a eu des mecs qui étaient là depuis 30 ans qui disent on n'a jamais vu ça sur le tour. C'est une explosion d'émotions entre la surprise, la joie, la stupeur. Et t'as tout ça qui se passe en 4 secondes, quoi. Tu rentres dans le virage, puis là, ça fait un... Ça explose au final, le bruit est... J'ai les oreilles qui ont sifflé pendant, je pense, 48 heures. Il y a tellement de bruit et tellement de monde que t'as juste l'impression que c'est irréel. Cette dose-là d'adrénaline, elle est énorme dans le corps. Et là, bon, les poils, je crois d'ailleurs, c'est un journaliste qui a fait une belle photo de Thibaut, on voit qu'il a les poils. Bon, en fait, tu les as tout autant. Même dans le virage Pinot, on voit que j'ai des frissons parce que ça me transcende et ça me nourrit, ça me donne de la force, tout simplement. T'imagines tout ce monde-là pour toi, lui qui adore être en train de faire de la pêche dans son canoë seul au monde. Si t'es un humain normalement constitué et que tu roules dans ce virage à ce moment-là,
Ouais, la chair de poule au minimum, je pense. Le kiff que t'as sur ce moment, quand tu le vois arriver, il a les poils, mais nous, on l'a 10 fois plus, tu vois. Franchement, ça me fout les frissons rien que d'en reparler. On a fait vivre un truc à Pinot, on a fait vivre un truc à tous ses coéquipiers. Quentin Paché, il a fait son meilleur high five à tout le monde. On a fait vivre un truc à des directeurs sportifs qui disaient qu'ils ont jamais vu ça. C'est plus beau que tous les espoirs. Mec, je suis à pas de monde. T'as vu le monde? Tout le monde a créé une ambiance qui est... J'ai envie de dire, je pense qu'elle reviendra jamais, cette ambiance. Tu vois, il y a ce côté beau et triste à la fois de se dire... Le moment où je m'assois, je me dis, putain, je revivrai plus jamais ça. Dans ma tête, ce que je me dis, c'est que j'ai vécu un truc. Mais ce que j'ai ressenti là... Et le sentiment d'avoir participé à un truc qui nous a dépassé complètement. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Autant de personnes qui sont heureuses au même endroit. Même si on avait voulu écrire quelque chose, on n'aurait pas pu écrire un truc aussi beau que ça. Tu viens de ces moments, de ces rares moments dans une vie sportive. Ouais, je pense que ceux qui te disaient, ouais, France 98, j'étais là au stade, tu vois, genre... Bah franchement, pour moi, ils se classent dans les trucs où je peux dire, j'étais là, quoi. Tu vois, les émotions même pour les gens qui n'étaient pas sur place. Le président de la République qui a fait un tweet. On était 3500, 4000, on était de tous les âges, toutes les régions, tous les horizons, toutes les classes sociales. Pour célébrer le départ d'un mec qui nous a fait vibrer pour ses victoires, aussi et surtout pour ses défaites. Moi perso, à chaque fois qu'il perdait, ça me rendait fou, mais le lendemain, je l'aimais encore plus que la veille. J'aurais gagné une étape, on aurait moins parlé de ma victoire d'étape. C'est pas une ligne de palmarès. Mais avoir réuni autant de monde ce jour-là pour moi, ça, c'est une victoire. Ouais. Si tu triches pas, si t'es vrai, si tu mets tes valeurs en avant, ben, tu peux rendre des gens dingues de toi. Et c'est exactement ce que Thibaut a fait. Intérieurement, on le vit comme quelque chose que tu retrouveras jamais dans ta vie, ça se trouve. C'est une émotion qui est particulière. Je pense que j'ai rendu des sportifs très jaloux de ce moment-là, je pense, parce que c'est des moments qu'ils connaîtront jamais dans leur vie. Oui, je suis jaloux de ce moment-là, mais c'est de la bonne jalousie. C'est cool qu'un sportif qui nous ait fait autant vibrer, qui nous ait donné autant de sourires et qui nous a fait vivre autant d'émotions, vive celle-là en retour. Ce qui va se jouer entre le sportif et son public, c'est une sorte d'échange de don contre don. Le sportif, il donne du spectacle, il donne des émotions, et en même temps, le public aussi rend. Donc en fait, c'est une sorte de circulation permanente. Le but, c'était pas nous d'exister, ce genre-là, tu vois. On voulait créer un truc pour que ça résonne dans les oreilles de Pinot. Donc ça, on l'a réussi, je pense. Je pense que ça n'a pas été facile à tous ces supporters de me suivre durant toutes ces années, parce que j'ai quand même eu des moments difficiles. La seule façon que je peux les remercier, c'est d'arriver tout seul dans ce virage. Pour moi, c'est ça le plus beau moment que je pouvais leur offrir. Ce qui reste vraiment du virage Pinot, c'est toute une bande de gens qui ont vécu une émotion quasi unique dans leur vie, et en fait au final ça nous a un peu soudés. C'est un truc qui va nous lier jusqu'à très très loin. Pour moi, c'était l'essence même du sport en fait, c'était un truc rassembleur. Les gens viennent sur place pour vivre une expérience collective, et donc il y avait l'idée de vouloir être là, pouvoir dire après coup j'y étais. Listen to this. Everybody has come to this point for Thibaut Pinot, and he has delivered. Le destin a été souvent dur avec moi, mais au final, je ne regrette rien, parce que moi-même, malade ou blessé, j'allais jusqu'au bout. Et puis, je pense que le virage m'a permis de fermer vraiment ce chapitre de ma vie de la meilleure des façons. La stratégie de l'équipe a été simple, c'était de mettre le plus de monde dans l'échappée. Tu
Je suis là dans le cadre là. Si elle me laisse, elle pose. Ah, mais elle va être sur moi.